Sans écouter, sans hypocrisie, légalement au nom du droit, directeur général nommé par le président de la République, parce que c'est une question, lui rend tout dans l'État, qui rend, parce que c'est l'État, l'État qu'on façon l'organiser, et on juge le père Carillo facilement, sans le pas demander président, etc. Où pour aller. Bon, et il y a des ministres qui connaissent que ils doivent répondre à la question du LCC. Il y a des ministres qui comprennent qu'ils sont au-dessus de la loi, tout comme que nous-mêmes nous couettons au-dessus de la loi. Eh bien, oui, nous avons des ministres. Nous avons plusieurs ministres déjà. Nous avons un ministre. Et directeur, ma question est précise. Votre ministre de tutelle peut-il être convoqué? Nous avons des ministres. Oui, j'aimerais répondre nous là. J'aimerais répondre nous dans le cas pratique. On va voir maintenant théorie et philosophie. Non, mais la théorie, non. Ma bonne pratique, là. Plutôt dans le droit administratif. Est-ce qu'on joue ou on quitte une bonne petite chance pour une belle réponse aux besoins? On a les deux bêtes. Parce que moi, je suis bien répondu. On a les deux bêtes. Moi, nous, que l'ULCC est un des ministres finances déjà. Ou moi, même si je suis un des ministres, je suis un des ministres. Moi, je suis un des ministres déjà. Ministre finance. Il est un des juges de. Jude Salomon. Salomon. Jude Patrick. Oui, Jude comment? Ok, juste Salomon. Il tendait, et pas tendait seulement, non? Il tendait et puis il voyait le dossier dans le paquet normalement. Pendant la fonction? Oui! Oui! Donc c'est la presse. Bon travail pour la presse, elle fait tout. Parce que je ne veux dire à chaque bagage qu'elle me fait. Et ça fait des fois, Mounio dit, oui, garçon vient là, garçon qui a fait, et pas moi qui a fait bagage à marcher, vrai. Bah là, t'es déjà marché, et moi, un coup de chapeau pour ancien directeur mieux. Il t'es déjà marché. C'est parce que tout simplement, mon focus qui a fait fait sur moi, et puis yo moun yo pas regarder est-ce que ça m'a fait yo, c'est pas continuer m'a continuer mais quand pile ba m'a fait là, c'est continuer continuer oui et il y a c'est un des ministres financiers déjà, il était des ministres financiers et puis il fait dossier, il voyer dans paquet actuel dans dossier à la justice, ministre financier en fonction pour ça. Edgarson. Il était l'autre ministre tout. Donc on y a sous besoin qu'on garde des ministres finances qui là. Oui, me qu'attendel depuis un dossier de corruption et que des soupçons de corruption, oui, on qu'attendel normalement pas gain différence entre lui-même et n'importe qui l'autre fonctionnaire. Dernière question pour moi-même, qui dernière fois ou un dossier là très sensible et puis une autorité tête chargée qui dit Edgarson, dossier ça pas vrai là, dernier appel pour jeune tout ça. OK. Moi-même actuellement on a fait sur plusieurs dossiers. Yon n'a pas la gamme qui fait que je suis toujours en difficulté, c'est parce que je ne suis pas trop à l'aise avec l'autorité. Autorité qui peut arriver le mieux. Je ne suis pas trop à l'aise avec eux. Moi, je suis très jovial. Moi, je suis bien aimé à chita pour un café avec eux. Mais yon y a un petit genre suspect. Et comme si les mal boire café à sa enquête, je m'en mène tout. Donc, je ne suis pas trop à l'aise avec eux, même pour un bon café. Voir, pour un même relève, pour un bon petit parole. Sauf que, nous qu'à comprendre qu'il y a des autorités qui gagnent des avocats qui a conseillé avocats ça est capable très mal conseiller autorité hein, qui fait que autorité est capable et par exemple faire une intervention administrative et qui capable pas chiter à droite avec loi qui crée l'ULCC, loi que l'ULCC a pas appliqué tant que convention tant que loi 2014 là tant que décret a tout créé nous hein, ça qu'arrivé que sous conseil ou avocat des fois pour une raison pour l'autre avocat tout parle tout parfois et yo pas regarder niveau spécialisation parce que son dossier très technique, son domaine qui très technique, donc et pas n'importe qui avocat qui pas spécialisé dans domaine qui capable bon consultation là-dedans. Donc ça arrive par erreur de consultation et puis ça vient jeune nous, ça arrive. Cela dit que à part des contraintes dit matérielles, financières, ou bien le champ libre pour travailler. Si bien comprendre. Non, pas le champ libre pour travailler. M'a pas dit, m'a pas menti par personne monde. Parler la mal dit le champ libre pour travailler. Non mais on dit pas grand qu'il appelle là. Non, attendez. M'a pas grand qu'un champ libre pour travailler. Ça me saute d'où yo, m'a le bagage direct. Mais pendant qu'on pas direct la kounya là, ou gen l'autre bagay qui fait de manière indirecte. Le système. M'y a système dans les ventes. Donc je ne j'ai dit, c'est comme si comme un seul homme m'a battu contre le système. Donc ou déjà, ouais, c'est David contre Goliath. Maintenant, ça fait nous-mêmes là dans la presse. Faut nous garder ça qu'a fait yo. Mais faut que nous critiquions bien. Faut que nous apprécions bien tout parfois. Qui s'est passé avec le système là? On va être très simple. Ou autorité pas qu'à venir sous moi. Ça le fait le contourner. Là, le temps de moi puis devant.
la contrôle l'autre autorité qui flexible, qui extrêmement flexible, qui trop flexible. Et puis il a fait des actions, il fait le fond des rapages, il fait le fond vagabondage, il fait le fond des ordres, et puis qui est capable de tendance à fragiliser nous. Sauf que nous-mêmes, de par mission nous, quel que soit ça mon affaire, nous-mêmes n'avons pas appliqué la loi, et même mon ça qu'elle fait des rapages, quand elle a des rapages à l'autorité ça, il est capable de prendre un zèle ULCC encore. Vous n'avez pas le cas comme ça? Et oui, il y a un petit bagage comme ça. Tout dernièrement, moi, des autres, on a fait dans le paquet Port-au-Prince, et etc. Donc, c'est même bagage ça. Et, ou senti que, on l'autre autorité qui passe en l'autre bord, il n'y a pas qu'à barre, là, il passe l'autre côté, là, le barre, on prend, et il y a qui trop content pour casser du garçon, est devenu un défi. On prend, donc, pareil, même jouer la garçon. Et puis, on prend, qu'à battre l'estomac. Nous, nous ne pas battre l'estomac, parce que nous n'avons pas nos problèmes, les gars. Nous ne pas battre l'estomac, nous, parce que nous sommes si forts et aussi faibles que n'importe qui, moun, et ni force nous, ni faiblesse nous, et dans la loi, n'importe quoi. Nous, ça c'est terminé. Maître Gassan, est-ce que ou même, ou pas senti que vous avez une obligation de donner des résultats par rapport avec ça, en pile, mon aptan? Et en fait, défi, ça c'est énorme. Qui j'en ou même comptez? Ou bien qui espoir que vous avez un pile monde qui a un pile confiance dans vous, que vous avez un résultat pour que M. Gassan pas arrivé dans une situation côté que le démissionner et finalement lui passer comme un homme d'enquête qui passait dans même les monde qui fait l'enquête se poursuit, mais en termes de résultat, ça m'a attendu pour garder ouais que mon yo vienne pas satisfait. Qui obligation senti ou gagner pour un résultat? Ok. Et je ne sais pas quoi faire pour vous. Nous quoi dans tout côté nous passer on pas quoi dans faire enquête sur poursuit et quand même des contraintes qui fait que nous abandonner plus vite ou bien limite durée fonction nous fini mais nous même nous quoi que il pas capable chaque jour pour n'a démissionner devant l'inacceptable nous quoi que l'inacceptable journée aujourd'hui c'est pour faire des cartes et nous même nous mettez nous prend président à témoin, nous prend gouvernement à témoin, puisque il dit que il y a mené une bataille acharnée contre la corruption. Nous tenons président de la République là, chaque fois il dit il y a 5 problèmes. Il dit pays a 5 problèmes. OK? Et 5 problèmes ça nous tous les 5 c'est corruption. Est-ce que président est-ce qu'il sérieux à travers travail que nous même nous pral faire, nous pral garder pour nous juger déclaration ça. Moi-même, moi, quoi, jusqu'à présent, président sérieux dans ça. Pour jouer aujourd'hui, je ne parle pas président sérieux dans la question ça. Pour côté, je ne parle pas là, avec le premier ministre, non, avec le ministre Jout, et nous avons de très bons rapports, nous discutons, nous voyons que nous sérieux dans la question. Mais demain, nous ne connaissons pas. Sauf que, nous gardons tout pour nous, côté, nous gardons la sérieusité ça, et puis nous voyons dans le même gouvernement tout, gagner un décodage qui a fait. On va prendre cas par exemple Saint-Domingue là. Cas Saint-Domingue là, c'est un cas côté que ouais que et comme si Mdadou même gouvernement metto pour combattre corruption hein. Et puis il et ça Mdadou gon façon détourner gon l'autre autorité le bail font l'autre travail camp en face ou et puis qui pour limiter puissance de feu qui a limité dans cas d'application de la loi et qui pour Mdadou baisser sous marge de manœuvre. Ça pas privé et ça pas jamais privé. Ou quand je vous dis, vous pensez qu'on va faire, mais nous-mêmes, au niveau de l'ULCC, quelque chose de soi, nous commençons, y compris dans ces domaines-là, l'a fini. Et comment l'a fini? Comment l'a capable de finir? Comment l'ULCC a retourné sur un dossier qui est classé? L'ULCC n'est pas un dossier classé. Non, par exemple, si le commissaire du gouvernement prend une décision de classer dossier 1 dans le cas Saint-Domingue, par exemple, comment vous comptez retourner? Le commissaire du gouvernement n'a pas un dossier Saint-Domingue. Il n'a pas un dossier Saint-Domingue. Et ULCC a tendé un citoyen. Il a une difficulté pour l'identifier. Donc, ULCC n'a pas un job pour l'identifier. Donc, comme si le gouvernement lui-même, il a une mission. Ça. Pour l'individu, ça cherche contre qui moun lié. Donc, nous voyons dossier ça à Bali. Ce n'est pas dossier corruption à Bali. Tout okay. Dossier n'amène notre travail. Okay. C'est peut-être une mauvaise interprétation qui a fait. Donc, citoyen ça, que nous avons parlé, hein? Donc, nous disons ça parce que ça, c'est une équipe publique. Donc, citoyen ça, jusqu'à jour et jeudi, hein? Nous avons des difficultés, même à vie de recherche. Nous mettons, j'ai mis pour 5 personnes. Nous avons des avis de recherche pour 5 personnes. Est-ce que c'est 5, c'est à l'heure, oui.
c'est un seul Dieu en cinq personnes. Ça vient faire que nous avons des difficultés dans le cadre de quatre que nous avons mené pour nous dire qui est qui. Qui moun moun sa yé. Parce que l'État pas kaba un citoyen job, et pas n'importe qui job pour la représenter à l'étranger, et puis il y a plusieurs noms et des nationalités différentes. Et en même temps, à aucun moment, ou pas qu'à dire, si me parle ton côté, me dit non, mais le diplomate ça, c'est lui même qui pote ma assistance, et puis il dit non, mais c'est pas comme ça le relais. Là m'a dit non mais même qu'on est comme ça dit non c'est pas moi elle dit c'est pas lui et là l'identifier vraiment et yo ouais que le pas représenter moi ça pose un problème et il mettait tout droit haïtien qui a vivre ce domaine en danger m'paka au niveau de l'ULCC pour nous ta comprendre que c'est anormal li ka normal pour le commissaire du gouvernement parce que lui même il décidait que yon moun qui a plusieurs identités li capable quitter dans la rue hein et il capable décider prendre n'importe qui décision là-dedans mais ça me quitter la responsabilité là. Ça n'a pas de polémique là-dedans. Nous quittons la responsabilité. Tout comme tout, au niveau du paquet de Port-au-Prince, il y a un tête paquet qui est dans la rue, qu'on peut s'ouvrir là, quand aller n'importe. Ou quand on est là, ou vous arrivez tout le monde là. Parce que papier, tête paquet dans la rue, et n'importe qui moun utilise yo. Avec le nom du commissaire du gouvernement. Mais il n'y a pas de problème. Vous sentez que monsieur n'a pas de problème à ça. Mais ça, c'est son problème. Ce n'est pas moins que nommé, autorité que nommé, qu'on est qui s'appuie au fait. Mais au niveau de l'ULCC, nous avons enquête. Pour nous connaître comment un tête paquet fait dans la rue. Pour nous connaître comment ce paquet a fait dans la marché, pour nous connaître comment que y a des décisions dans la rue, et puis qu'il y a des doutes, est-ce que c'est la justice qui fait, et que le commissaire gouvernement n'a pas fait qu'une action. Cela veut dire quelque part, il y a un intérêt. Est-ce que là, ou pas arriver dans la limite pouvoir, ça pas fait partie de limite non, pouvoir? Non, nous pas arriver dans la limite pouvoir, nous, parce que nous-mêmes, nous d'où ça déjà, dans le cadre ça, côté que n'importe qui monde capable de faire n'importe qui bagaille, et que lorsqu'elle arrive devant et la justice, décide suivant un intérêt quelconque, et puis il fait ça le vle. Lorsque, au niveau de même justice, ça, nous gagnons des décisions qui flanent dans la rue, l'État, décision ça au nom de l'État, et puis nous gardons, ce n'est pas des représentants de l'État qui prennent. ULCC qui est pour l'enquêter sur ça. Et là, ça, c'est pour une question de compte personnel, c'est une question de l'intérêt de l'État que nous-mêmes n'avons gardé. Okay. Moi, j'explique. Si ULCC, UCREF, IGF, CNMP, la douane, immigration, la police nationale, si vous avez fait travail yo, sérieusement, sans contrainte politique, sans interférence, m'a bon menti. Et si vous avez pris responsabilité yo, et vous avez fait dans la cohésion, pas t'ap gen toute corruption ça au niveau de la justice, pas t'ap gen des corps du délit qui flanent dans toute la rue à Cap Von, et que pas gen ken action fait sous ça, pas d'abgain des tribunaux, des parquets qui ont cassé à longueur de journée, ou par contre qui ont fait casser pendant que des mouns ont suivi eux, eh bien, je garantis que les gens pile bail pas de privé, et l'argent de l'État pas capable pour trouver, comme une sorte de, ou hantise, pour que chaque nègre qui besoin de venir riche, lui, son job l'État pour le prendre. Nous, même au niveau du LCC, nous annoncer ça. Tout monsieur qui est sorti dans l'État ou là, l'autre jour, là, à tous les niveaux, pour retourner dans l'État encore, nous avons des exigences que la loi fait, il a obligé de remplir pour nous. Autrement, les gens qui ont au job, les gens qui acceptent, la complice et n'a fait dossier nous la justice contre tout. Donc il y a des parlementaires qui sont là. Nous-mêmes nous invitons. C'est des législateurs. C'est eux-mêmes qui ont fait loi. Nous demandons, sans goumen, aidez-nous et rendre le travail facile pour nous. Vin remplir petite déclaration de patrimoine. Vin chercher formulaire. Nous battons bravo, par exemple, nous en décembre avec jeudi, nous avons évacué près de 400 formulaires. Donc, c'est très bien. Et nous gardons un intérêt qui peut être que l'administration a bien fait. Nous encourager ça. Nous ne voulons pas goûter avec eux. Nous ne voulons pas goûter avec eux. Au contraire, nous voulons déplacer l'administration à dire mais pour qui ça a pu faire. Parce que déclaration patrimoine, nous avons parlé de l'aide des biens qui sont hypothéqués. Mais si nous ne parlons pas de biens qui sont hypothéqués, qui est bien qui hypothéqué? Il ne faut pas bluffer les citoyens. On est ministre. Il n'y a pas de déclaration de patrimoine. Et là, il y a ce qu'il fait là, il dit qu'il y a un petit cas en bois à un côté. ULCC qui est pour le garder, petit cas en bois à un côté, ou pas capable de tomber un job là, et pour que tu aies un building dans Thomasin, un building dans Pétionville, un building dans Delma. Il n'est pas normal. Donc, ULCC pour le faire. Le ça, c'est ça, son bagage personnel qu'on a réglé. Comment tu as un agent douanier? Il y a un cas qui vaut 2 millions de dollars américains. Combien de cobles a touché? Comment t'as vu, gardez pour on est qui va le député, le vend tout bien. Quand elle va le joindre. Donc, je ne j'en dis, hein, nous demandons tout le monde, jusqu'à 31 janvier, là, pour dégager.
pour dégager yo pour yo déclaration arrivée pour nous parce que dès le 31 janvier parce que nous même nous croyons que ça permet que nous assainir finances publiques là administration l'État et prévenir tout par exemple des cas de blanchiment enrichissement illicite. Maître Gassin, est-ce que vous pas gagnez ou proche ou bien ou pas senti lié un peu compliqué par le fait que vous mettez à vie de recherche des fonctionnaires que ministère des article Affaires étrangères article 11 alinéa 2 décret qui crée ULCC. C'est lui-même qui autorisait que ULCC fait ça youn. Deuxièmement, que mettez à vie de recherche. Oui, deuxièmement, si que des fonctionnaires de l'État qui travaillent dans l'État qui touchent chaque l'État qui touchent chaque lui chaque mois. Et que le ministère PL, le ministère pas capable de demander l'île, il n'est pas contre côté lié. S'il n'est pas contre côté lié, nous sommes obligés de chercher. Ça fait un. Est-ce que c'est ça qui est arrivé? Et c'est exactement ça qui est arrivé. Il y a plusieurs contacts qui sont faits déjà au niveau amiable, verbal, des rencontres au niveau du bureau du ministre des Affaires étrangères, notre bookshit, à 3 ou 4 reprises, et discussion avec le directeur général du ministère des Affaires étrangères à 3 ou 4 reprises, tout. Et discussion avec eux deux en même temps, tout, verbalement d'abord. Ensuite, administrativement à maintes reprises et même il y a des sommations que ULCC voyait qui pour dire ministre Bokchit que fonctionnaire ça yo nous mandé pour kembe yo à distance de bureau l'état yo parce que yo par contre côté yo même et je n'ai dit à côté m'a parlé voilà là ministère affaires étrangères par contre côté yo toujours malgré que le te écrit nous dit que moun sa yo à disposition ULCC. Il dit que à disposition ULCC il travaille même pas sur là actuellement non pour nous même il y en Haïti. Parce que jusqu'à présent, ministre Bokchit pour qu'on voie dit nous que lui-même lui fait retourner et nous voyons des lieux et n'attendons pour attendre. Donc si c'est des fonctionnaires de l'État ou pas capable d'empêcher ULCC d'attendre dans le cadre de dossier de corruption. Donc ULCC a fait exactement ça pour le faire. Et je dis à la pendant ma parole voilà là, gagné des instruments administratifs qui a joint ministre Bokchit qui pour dire mais qui ça la loi fait l'obligation pour faire. Donc ça veut dire que puisque personne moun lin di moun ou gen des diplomates y a mettre à vide recherche. Si sont fonctionnaires italiens ou pas diplomates pour nous-mêmes. Donc c'est des fonctionnaires de l'État. Lorsque on en Haïti, non, pas n'importe côté, n'importe côté ou à l'étranger aussi des diplomates, non? Parce que ULCC capable à l'ambassade là tout. Là on ambassade là, c'est des fonctionnaires de l'État. Yo diplomates pour côté OEA, mais administration l'État nous-mêmes quel que soit côté lié. Donc même n'a dit que si on tourne dans poste au Saint-Domingue, ça, c'est responsabilité ministre Bokchit, le ministère des Affaires étrangères, donc qui entrait peut-être dans le cas de complicité, de corruption avec eux. Et là, ça, ULCC a fait exactement ça pour le faire. Nous-mêmes, pour journée aujourd'hui, hein, nous connaissons que jusqu'à nouvel ordre, nous avons un document dans nous qui dit nous que diplomate ça est à disposition de l'ULCC en Haïti. En et Haïti. Que dit le chef de la diplomatie? Il n'est pas au courant de ça, le président de la République. Non, monsieur, c'est pas toute question. C'est une bagarre que nous-mêmes avons. Parce que échangeons un peu de mauvais goût là. Avant de nouvelle là, ou même captant deux vidéos ça là, ou même qui ont douleur qui a mangé, ou qui ont gaz, gaz à bavé qui sont en repos, gaz à couille mouté couille en tout corps, gaz à bon problème, ou à faire gaz sous monde, ou à dégober sous monde, et bien ça finit à toi. Parce que l'on a gaz là dans le sang, l'on a gaz là dans la santé, l'on a gaz là dans le ventre. C'est qu'à porter gros maladie pour vous, si pas chercher retirer ça, si pas chercher traiter ça. Et bien, on va parler avec quoi là, gros bouteille nous préparer pour moun gen gaz en dedans, pour moun ka fè ki gen gaz la gonflé, qui pas qu'à supporter, deux fois gaz la boule dans ventre. Et bien, qu'on y a ce moment pas oublié pour une guérison, pour retirer tout gaz ça dans ventre. Et bien, moi, je vais prendre mon téléphone ça, pour relayer qu'on y a là, pour acheter bouteille là, pour placer commande là pour vous. Soit vivre quelque soit contre dans le monde entier, ou bien une bouteille ça, y a voué le bas ou devant porte la caillou. Pas quitter gaz là tout monter ou parce que gaz son bas qui danger en pile et ça va pouvoir porter en pile gros maladie dans santé ou. Et bien, relais qu'on y a dans le téléphone ça là, qui c'est 561-692-2814. 561-692-2814. C'est le numéro de téléphone ça pour relais, pour acheter bouteille ça qui bon pour retirer gaz dans ventre ou. Ou même qui t'en gen gaz kap manjou, gaz la employe, gaz la bon anemi, gaz la faut pas ka supporte, eh bien, rele dans le numéro de téléphone ça. 561-692-2814. 561-692-2814. C'est le numéro de téléphone ça pour rele, pour acheter bouteille ça, qui bon pour moun qui gen gaz tout kote yo. Bouteille pour gaz, kote ou gen gaz, lap et de ou. Merci en pile.